Je voudrais dire tout de suite que je suis particulièrement heureux de publier dans la collection de Colette Fellous, ici présente, qui s'appelle « Traits et portraits ». Traits et portraits. Très beau, très beau. Collection qui me convient tellement que j'ai mis très longtemps à accepter son offre et que grâce à sa ténacité, j'ai fini par comprendre que c'était quelque chose qui allait me permettre de révéler beaucoup de choses que je n'avais pas écrites ou qui n'étaient pas connues de moi. C'est pour cela que le titre parle de lui-même, c'est-à-dire « agent secret ». Qu'est-ce qu'un agent secret ? C'est par définition quelqu'un qui a des identités multiples et, comme je l'ai écrit une fois, qui spécule beaucoup sur ses IRM, c'est-à-dire ses identités rapprochées multiples. Un agent secret qui n'aurait qu'une identité se ferait très vite liquider par des gens qui l'emploient. Un agent secret, selon moi, travaille uniquement pour lui-même et pas pour un État, ou entre deux États, ou même entre trois États. S'il peut être au courant de ce qui se passe entre quatre États ou cinq, tant mieux pour lui. Il vaut mieux qu'il s'occupe, en effet, des choses qui sont fondamentales, sérieuses, comme l'économie politique, la politique, c'est-à-dire la gestion de la mort sur la planète, qui en ce moment devient tout à fait hurlante et passionnante. Ce qui m'a permis, et ce qui me plaît dans cette collection, c'est qu'il y a des photographies. Et simplement, on pourrait s'arrêter sur chaque photographie pour dire que le type qui produit ces photographies a eu une vie très, très, très étrange. C'est-à-dire, dans quel lieu ? Dans quel lieu visiblement enchanté, puisque c'est la civilisation à son comble, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Bordeaux. À Bordeaux. Les jardins de Bordeaux. Oh. Avec une famille visiblement extrêmement bourgeoise, avec une mère tout à fait ravissante, sa photo est là, et donc dans un espace de très grande civilisation. Mais alors on a tout de suite la photo d'un petit garçon un peu blanc, préoccupé, et pour cause, car ces maisons, suite à la défaite de l'armée française, est envahie par les Allemands qui viennent là habiter au rez-de-chaussée. Et alors, c'est très intéressant parce que d'emblée, il y a une vie extrêmement perturbée. Les Allemands occupent le bas des maisons. J'entends parler allemand. J'entends parler aussi espagnol et italien à cause des réfugiés qui sont venus de la guerre d'Espagne ou du fascisme italien. Et dans les greniers, grâce à ma mère qui était fervente en anglophile, on écoute les messages personnels envoyés par Radio Londres. Ce qui fait, cette photo montre que ce petit garçon est très à l'écoute et se sent probablement très menacé par cette invasion bizarre chez lui, quand même, dans les jardins. Et la radio, dans les greniers, les grandes maisons, la radio dans les greniers, c'est Radio Londres. Radio Londres, c'est quelque chose dont je peux témoigner comme éveil de ma vocation d'écrivain. C'est-à-dire... Oui, message très poétique. Voilà, et voici... Voilà. Donc, il faut comprendre que c'était brouillé. Hein. Ici, Londres. Les Français parlent au français. Qu'est-ce que ça veut dire que des Français qui parleraient au français ? C'est à reprendre. C'est ce que je suis en train de faire. Mais est-ce que nous n'avons pas à avoir du brouillage,
sur la ligne. Je ne sais pas. Est-ce que ça pourra échapper à la censure et à la police de la pensée? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourra se frayer un chemin vers un auditeur libre qui n'est pas là ou qui est là, qui posera une question? Je suppose, j'espère. Donc, voici quelques messages personnels. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Il y a donc des Français qui sont pour Londres. Mais alors, c'est ma famille, donc je me sens peu coupable de la suite des événements. Et ne pas être coupable du tout, quand on est tout à fait privilégié, c'est très, très étrange. Très étrange. Voici quelques messages personnels. Le cardinal ne parle plus espagnol. Nous aimons les femmes en bleu. Je répète, nous aimons les femmes en bleu. Donc, voilà des messages qui s'adressent donc à la résistance intérieure. Et nous aimons les femmes en bleu. Ça peut vouloir dire « faites sauter ce train » ou alors au contraire « les carottes sont cuites, déménagez vite votre poste de transmission ». Voilà dans quoi j'ai vécu. Et ça m'a servi considérablement. Comme écrivain, le message à triple entente, déchiffrer ce qui se dit, écouter ce qui se dit, savoir très tôt discerner comment les adultes mentent, et se tirer d'affaire en gardant sa liberté tout le long de la vie, en écrivant des choses qui ne sont pas forcément convenables. Et voilà où j'en suis. Donc, merci à Colette, ici présente, de m'avoir donné l'occasion de faire la lumière sur des épisodes peu connus de ma vie, parce qu'un écrivain ne commence pas sa vie avec sa première publication. Oui, il a vécu avant beaucoup, beaucoup. Et voilà, je crois que le point de vue que j'apporte sur l'histoire française est extrêmement singulier. Et que donc, je n'ai jamais connu un jeune homme qui ait vécu la période clé de l'histoire de France, parce que c'est quand même la période de l'effondrement de la République, dont il est beaucoup question sans arrêt. Hein, parce que est-elle faite pour s'effondrer ou est-elle faite pour surmonter cet effondrement, une défaite? Voilà. Je crois que mon point de vue est très singulier, dans la mesure où c'est un point de vue d'attaque, c'est-à-dire de contre-attaque. C'est le titre d'un de mes livres. Donc, ce petit garçon, qui a été tout à fait gêné dans sa respiration, va avoir deux choses, deux possibilités. Soit il va se plaindre ou rester malade, soit il va, en même temps qu'il surmonte la maladie, il n'y a pas que le souffle, il y a les oreilles, il y a les otites, etc. Bon, c'est un corps qui souffre intensément et qui pourtant revendique tout le temps le fait d'aller bien, d'être heureux. Et voilà le paradoxe. Le bonheur sans noirceur serait ridicule. En revanche, ce bonheur gagné à la force de l'intelligence et de la lecture, il va me sortir de vers le haut, me paraît peu trouvable dans les gens que j'ai fréquentés au cours du temps, c'est-à-dire ceux qui ont eu une mémoire éventuelle de cette époque. Donc voilà. Bon témoignage. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de rencontrer des femmes qui ont des engagements de conviction. Ça m'est arrivé et beaucoup qui sont de fois. Toutes très indépendantes. Je n'ai pas. Oui, mais des femmes. Oui, c'est ça, des femmes qui pourraient être tout à fait, que j'aurais pu ne pas connaître. Enfin voilà, il se trouve que ces rencontres ont eu lieu. C'est un livre sur les rencontres. Donc ça, ce sont les choses connues. Qui peuvent être photographiées. Et elles sont là. Les photos sont là. Maintenant, je ne serai pas l'agent secret que je suis si la plupart des choses très importantes parfois n'étaient pas archivées, photographiées, etc.
et que il me semble, alors que dans les romans, si on les lit, ça doit se sentir. Un livre comme Femme, par exemple, bien sûr, oui. Est là pour montrer que pendant que tout le monde s'agitait, etc., moi je m'agitais aussi beaucoup, mais 68, etc., ben c'est pas ça le problème. C'est que j'étais sur le terrain en train de prendre des notes très précises sur ce qui était en train d'arriver entre les hommes et les femmes. Et Dieu sait que c'était en train d'arriver. Il fallait voir la suite. De même que si, grâce à 13 et portraits, on fait attention à quelqu'un qui fume une cigarette dans la cité interdite de Pékin en mai 1974, qui avait des visas pour aller en Chine à l'époque. Ah, c'était un voyage important avec Barthes, avec... Non, ça, oui, hein, d'accord, mais enfin... Mais elle est très belle, cette photo, oui. Avec Barthes. Comment Barthes a-t-il eu son visa? Oui, je sais pas, oui. Barthes avec moi. Oui, bien sûr. Il y a oui, avec oui. moi. Oui, oui, oui. Marcelin Plenet avec moi. Aussi, oui. Oui, mais... La photo, déjà la, des photo, la photo, la photo. Il y a une autre photo où les voyageurs sont pris ensemble, Julia comprise, devant les grottes de Longmen oui. en Chine. Mais la seule photo qui désigne ce qui devrait introduire à une recherche plus poussée de la part de la police, de la pensée américaine ou autre, ou chinoise. C'est la photo de Solaire en train de fumer une cigarette dans la cité interdite en mai 1974. Et c'est d'autant plus amusant, si je peux dire, que les livres de moi qui sont traduits en chinois déferlent. C'est-à-dire que les encyclopédies que j'ai écrites à la suite de la... À la suite d'une remarque de Barthes, on dînait ensemble très souvent à côté à Montparnasse, de la... oui, à oui. Montparnasse. Voilà, bon, donc Rosebud, non, c'est ça, oui. Et donc, il me dit un jour, écoutez, l'ignorance, c'est la fin de sa vie, donc la fin des années 70, 1970. Il m'a dit, l'ignorance va monter à tel point, il était très inquiet, qu'il faudrait réécrire l'encyclopédie. Il venait de faire un texte magnifique sur les planches de l'encyclopédie. Et j'ai entendu ça parce que voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est donc il y a la guerre du goût. Tous les essais, de la vie, en fait, oui. Discours parfait. Fugue, un autre qui s'appelle Complot, etc. Mm. Je les regarde et j'ai tous ces exemplaires traduits en chinois sur ma table. La chose dont je suis absolument ébloui d'avoir pu le faire en tant qu'agent secret, c'est d'avoir pu faire publier dans la traduction chinoise d'Éloge de l'infini le texte consacré à Hölderlin, qui reproduit son passeport lorsqu'il est venu à Bordeaux. Voyez, c'est ça qui m'intéresse. Tout se rejoint, en fait. Aux échecs, c'est ça. Ouais. Tout se rejoint pour un agent secret. Ouais. Il y a des traces, et puis autrement, il est perdu. Il est perdu, il est noyé. Ouais. Il ne s'en sort pas. Tu n'as pas l'air de se perdre. Il s'en sort par ses propres moyens. Ouais. Grâce, encore une fois, à des soutiens très fidèles. Donc, cher ami, tu es... l'exemple même, c'est-à-dire, tiens, au fait, Solaire, après tout, Solaire, voilà, tu venais aux conférences, aux réunions de tel quel, c'est une de mes identités qui a pris beaucoup de place à un moment donné, mais ce n'est qu'une identité. Oui. Il y en a d'autres, tout le temps. En tout cas, c'était une époque où, tu m'as appris à lire. Après, il y a eu Barthes, mais à travers ces conférences, ça je sortais de la Sorbonne et c'était un espace de liberté, de nouveauté, de changement comme ça, de regard sur la littérature qui est non, c'était une université, vraiment non, libérée. C'était le contraire de la
de l'université. Voilà, c'est ça. Ouais. Barthes avait enfoncé un clou. Après, il a continué, oui. Avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Il a eu une voix pour être élu au Collège de France, attention. Oui. Pas reconnu, très critiqué par les Sorbonne, etc. Il pouvait, mais c'était encore une percée dans l'université. Ce que j'ai fait, et ce que nous avons fait, c'est au contraire créer une université parallèle. C'est ça. Ce qui n'avait pas lieu dans un lieu universitaire, mais au 44 rue de Rennes, place de la Sorbonne, où il y avait un monde fou quand on parlait de tel ou tel sujet. Par exemple, une soirée SAD. Bien, la soirée SAD, avec un texte de moi qui est reproduit, qu'on peut lire, ça me paraissait très très important, et ça le reste. Il y avait là quand même Pierre Klossowski, Gilles Deleuze, Foucault ne voulait pas parler, mais enfin il était favorable, et arrive tout, pendant, tout était bourré de monde, hein, il fallait payer, et arrive enfin en milieu quelqu'un qui n'était autre que Lacan. Et je voudrais insister. Il y a une belle photo de Lacan dans le dans ton livre. Il n'est pas là par hasard. Tu es branché, et tu as bien raison, puisque ça a été ton expérience personnelle, sur Roland Barthes comme gourou à l'horizon. Pourquoi pas? Mais pour moi, Barthes a été un ami très proche. J'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle L'amitié de Roland Barthes. Il y a aussi les lettres qu'il m'a envoyées, etc., qui sont très chaleureuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, d'accord. Mais le type qui m'a plus impressionné, c'est quand même Lacan. C'est celui dont j'allais écouter toutes les semaines, le mardi, à l'école. Alors, j'étais là lorsqu'il a été renvoyé toujours agent secret, renvoyé de l'école normale supérieure. Il m'a quasiment donné l'ordre d'aller envahir le bureau du directeur. C'est pour ça que je peux t'envoyer des lettres avec en tête de l'école normale supérieure que j'ai chouravé dans son bureau. Les CRS étaient là, hein. c'était vraiment très 69, 66, 67, 68, 69. Les années 60, effervescentes, etc. Lacan. Lacan est l'autre qui venait parfois s'asseoir dans le bureau de tel quel et qui disait rien, mais dont la présence était fulgurante. Bataille. Georges Bataille. Mon admiration pour Bataille reste entière, d'un calme souverain. Georges Bataille, il venait, il s'asseyait, il savait que je l'aimais bien, j'avais publié dans telle qu'elle ses conférences sur le non-savoir, etc. Bon, et après sa mort, j'avais eu la permission, grâce à Michel Léris, qui était son ayant droit pour les textes, etc. Bref, Georges Bataille, quelle extraordinaire présence. Et je répète que tout ce qui s'est présenté par la suite comme penseur, etc., m'ont toujours fait rire à propos de l'extraordinaire expérience intérieure et physique de Georges Bataille. Je me revois à l'âge de 18 ans, dans une librairie de Bordeaux, ramassant un livre que j'ai déjà jeté dans une librairie qui s'appelait « L'expérience intérieure ». Qu'est-ce que ça peut être que ça? Où je vois que cet auteur me parle à un moment donné de Proust et comment il en parle si bien. C'est très beau ce passage. Et voilà. Ce chapitre, donc, l'expérience intérieure, pour un agent secret, c'est extrêmement important. S'il n'y a pas d'expérience intérieure, il va se faire repérer très vite. Alors que moi, vous savez, tu sais. Alors j'aime bien pour aussi me repérer, dans ce livre que quand tu dis que tu as le droit de te contredire ou d'un jour être maoïste et après autrement et de alors qu'on t'a beaucoup reproché tout ça et on voit dans ce livre
le lien. Et on voit dans ce livre que ce qui m'a été reproché sans arrêt, c'est ma liberté. Voilà, exactement. On voit qu'il y a au contraire un fil voilà. Et que tu le tiens jusqu'au bout. Alors, oui. Donc, comme il n'y a aucune autocritique, que je ne reconnais aucune erreur, évidemment, le mieux, ça serait de tomber, que je tombe dans un profond silence de mort. Alors, on voit aussi que ta liberté et puis ta résistance à cette société que tu dis mensongère ou... Du spectacle, le professionnel de bord, qui a trouvé le concept adéquat à ce qui était en train de se mettre en place. On voit que tes clés, en fait, c'est l'amour, la poésie, la liberté, la littérature. Oui, j'ai rien inventé du tout, parce que ça, c'est ce que André Breton, que j'ai aimé vraiment profondément, l'amour, la poésie, voilà, c'est y a que ça. La liberté, l'amour, la poésie, l'amour, la liberté, ça met ça dans l'ordre que tu veux. Et donc, là, une des choses les plus fières, dont je suis le plus fier, c'est j'adorais Breton. Ouais. Je lui écrivais. J'aime bien quand tu dis à un moment qu'il t'écrivait en disant je vous écris pour vous dire que je n'ai pas le temps de vous écrire. Ça, c'est. Oui, ben, enfin, un jour, 1962, je reçois par la poste la réédition des manifestes du surréalisme qui ont bouleversé ma jeunesse. Je lisais ça comme si c'était l'évangile nouveau, et à juste titre. Donc je reçois la réimpression chez Pauvert, par Pauvert, des manifestes du surréalisme d'André Breton. Et là, de sa fine écriture bleue, que je reconnais immédiatement, il y a la dédicace suivante à Philippe Solers, aimé des fées, F-E-E-S. C'est magnifique, ouais. Ah. Donc, comme je pense que c'était un expert en féerie, il tombait souvent amoureux, Breton. Mais enfin, lui, il avait une obsession, c'est que quand il tombait amoureux, il fallait qu'il se marie. Mmh. Voilà. Donc, c'était plus compliqué. J'ai fait plus compliqué. Mais en tout cas, il a deviné ça. À partir de quoi bon, l'instinct magique. Mmh. Breton, magique, Breton, c'est ça. Breton était une figure extraordinaire. Ouais. D'abord, il avait une tendance très, très prononcée à être honnête, ce qui se rencontre très rarement dans les milieux dits intellectuels, très rarement, c'est très, très rare. Je suis moi aussi, et c'est ce qu'on me reproche au fond, d'une honnêteté parfaite. Mmh. On ne peut pas me coincer sur aucun phénomène de corruption, même minimal. Donc cette honnêteté me paraît être... un défaut pour la société qui elle-même fait de la corruption un immense usage. Et c'est aussi quelque chose qui te vient justement de ce que tu appelles un espace enchanté de ton enfance, tout ça, toute cette civilisation de Bordeaux, de l'extrême courtoisie. Oui, oui. Pas du tout moralisant, pas du tout religieux, ça va sans dire. Simplement une civilisation. Du vin. Honnête. Le vin. Évidemment, le vin, oui. On prend la vie. On voit des bouteilles Je suis au lycée Montaigne. Après, je suis au lycée Montesquieu. Bon, c'est déjà beaucoup dire. Si tu rajoutes la Boétie, etc. On est nourri à ça très tôt, au lycée. Voilà. C'est la région qui est la plus éloignée de France. La preuve, c'est que quand la République s'effondre, tout le monde va à Bordeaux. Mais oui, il y a toute cette... pour prendre le bateau, éventuellement, pour le Massilia. Voilà, ouais. La Nesse-France, par exemple. Ouais. La chambre du Front populaire... n'a eu que 60 réfractaires à voter les pleins pouvoirs à Pétain. Alors, attention, ne jamais oublier ça.
la chambre du Front populaire, ici Londres. Voilà, à voter les pleins pouvoirs à Pétain, ouais. Quand même. Hein. Voilà, et ça suit son cours, et ça suit son cours dans l'histoire actuelle, car il y a quelque chose qui est latent foncièrement. Voilà, donc De Gaulle il m'a beaucoup amusé quand même. Hein. Voilà, beaucoup. Et tu parles aussi de ces slogans comme ça, ces manifestants que tu entendais par la fenêtre quand il disait joyaux au poteau parce que ton vrai nom. Ah, ça m'a beaucoup marqué. Ça t'a marqué aussi. Bah, mes parents étaient industriels, il y avait une usine avec énormément d'ouvriers, Buisson, qui a fini par péricliter. Et nous sommes avec le Front l'usine populaire. L'usine était près de la maison, en fait. Je l'ai en 36, à la 28 novembre, bon, d'accord. C'est le Front populaire. Et en effet, ce que j'entendais, j'étais très conscient. Plus tard, j'ai vu derrière les volets défiler les troupes allemandes pour rentrer dans Bordeaux. Je les ai regardés après à la terrasse du jardin repartir dans l'autre sens. C'était quand même très, 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 très bouleversé. Alors j'entendais par les fenêtres un peu, voilà, les volets à demi fermés. J'entendais tout le temps joyaux au poteau, joyaux au poteau. Et ça me semblait, au fond, assez normal que le prolétariat, comme on dira par la suite, en théorisant, si on veut, se dresse contre mes parents. J'étais gêné pour mon père, parce que ce nom de joyaux me plaisait. Je le trouvais un tout petit peu trop brillant, mais enfin voilà, j'étais moqué à l'école, au lycée, pour ça. Joyaux, vous n'êtes pas une perle aujourd'hui. Joyaux, vous ne brillez pas de tous vos feux. Voilà. C'était barbant. Les noms qui étaient ciblés étaient soit juifs, soit dans mon genre, trop brillant, soit aristocrate, et qui était systématiquement pénalisé. Donc ça apprend des choses, d'être un peu à l'écart. Mais en même temps, tu as choisi Solers, qui est aussi brillant. C'est pas mal, oui. Ça peut c'est pas mal. Ça hein. brille, moi. Ça brille quand même, c'est rusé. c'est beau tout ce que tu dis aussi dans ce livre sur ton père, qui était discret, oui, c'est la première qui a été fois ruiné. Je crois que c'est la première fois que je lui rends un hommage direct. Voilà, j'y tenais beaucoup. Et il y a mon père et mon fils, dont j'ai très peu parlé, David, avec des photos qui sont là et qui prouvent que je suis un père aimant, puisqu'on me voit le tenir dans mes bras sur une tour à New York, 28e étage, voilà. C'est beau quand tu dis aussi que quand sa naissance a été un bouleversement. Considérable. Oui. Oui. Il y a une phrase de Montaigne que j'ai toujours trouvée étonnante. D'abord, Montaigne, tu le sais, se reconnaît la chance qu'il a eue d'avoir eu une éducation merveilleuse. Son père y a veillé. Il fallait le réveiller doucement, musique, etc., etc. Bon. Et la formule de Montaigne est quand même très étrange. C'est le bon père que Dieu me donna. Ah oui, c'est ça. Ça revient souvent, ça, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon père que Dieu me donna, hein? Parlons-en du père. Où est-ce qu'il en est? Existe-t-il encore? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Solers? Voilà, le Père. Qu'est-ce que je me rappelle Lacan, le nom du Père, attention. Le nom. Les noms du Père. Ah oui, c'est ça. Le Père, c'est pas le géniteur. Ouais. Très peu de gens font la différence. Le Père, c'est du langage et du nom. Attention. Il faut être un peu biblique quand même par moment, hein. Voilà, oui, quand même. Au nom du Père. Et je me rappelle, Lacan me disait toujours ça. Oui, mais ça n'a aucune... Voilà. Poser la question du Père, tout est là, voilà. Eh bien, est-ce qu'on peut encore poser la question? Où est-elle audible?
ou recevable. Le père, qu'est-ce que c'est? Mais il y a quelque chose aussi toujours de prophétique un peu dans ton, dans ta pensée. Tu as toujours devancé un peu les. Là, je crois que tu fais allusion aussi à toutes les, voilà, les façons maintenant de procréer, de la procréation assistée. De, il y a aussi tout ça qui t'a, qui te tourmentait depuis longtemps, en fait. Oui, je vois l'humanité s'enfoncer dans un bourbier sans fin. Et revendiquer ce naufrage. Nous assistons indubitablement à un naufrage. Et pourquoi pas? Moi, je trouve ça très excitant, les naufrages. Alors, pour remédier au, justement à cette, pour surnager un peu, tu parles de l'essentiel, ce qui reste. L'essentiel, c'est aussi, on a dit, l'amour, la poésie, la liberté, le, mais aussi la musique, la peinture et la façon de naviguer faut dans donner, la vie. Faut donner, en agent secret. Il faut donner chaque fois des preuves. Oui, c'est ça. Preuves, je les donne. La peinture, je sais de quoi je parle, et comme disait Francis Bacon, un maître d'hôtel du Montalembert, ah, son Fragonard est un bien parce qu'il écrit comme Fragonard, Solers. Ah oui. Bon. Il trouvait que ce que j'avais écrit sur lui, très bien. Enfin, je donne des preuves que je vois la peinture en détail, Picasso, d'accord, c'est pas la Titien, pareil, Fragonard, voilà. Poussin, bon, voilà, Poussin. Bon, je donne des preuves. La musique, je donne des preuves. C'est Mozart sans arrêt, c'est Bach, c'est Joseph Haydn, donc j'écoute sans arrêt, enfin, voilà, tout ce qui est de ce côté-là. Bon, mon amie Cécilia Bartoli est une merveille. Elle est présente dans le livre, hein, il y a une photo d'elle. Il y a une photographie où elle est très présente, elle est tout à fait géniale. Ouais, elle a réinventé complètement extraordinaire. La, chance, la façon de chanter Vivaldi, par exemple. Donc voilà des preuves. Donc ça fait partie de mes activités nombreuses, mais précisément informées et publié. On va peut-être terminer aussi par l'île de Ré, qui est quand même un de tes, voilà, de tes territoires enchantés aussi et essentiels. C'est ça. C'est un territoire très très bizarre, choisi par un ancêtre navigateur au long cours, qui a décidé un jour qu'il n'était pas loin, à La Rochelle, voyez, il a vu cet endroit qu'il a choisi pour mouiller, comme on dit, enfin, et le décréter sa propriété. Donc la famille maternelle, ça. Oui, ça c'est tout à fait du côté maternel. Et là-dessus s'élevaient des fermes qui ont été détruites juste avant, juste après ma naissance. C'est ça qui est intéressant à souligner pour moi. Détruites par les Allemands, qui était en train, les crétins, comme je dis, de croire murer l'Atlantique. Donc on était dans la ligne de tir de leur canon. Donc, ah oui, donc ils ont... Oui. Oui, la maison a été rasée. Les gens du village ont été magnifiques, ils ont gardé les armoires, les meubles, etc. Et on a été obligé de reconstruire. Si tu veux bien, il y a aussi quelque chose de bizarre dans mon existence, c'est que j'ai vécu dans des endroits qui, chaque fois, ont été rasés. Oui, c'est vrai. Les maisons à Bordeaux, par un supermarché, j'écris ça quelque oui, part. L'île de Ré, rasée par les nazis. Alors, chaque fois, ça oblige à beaucoup de reconstruction intérieure. Je sais ce que c'est que d'avoir, comme un Palestinien, au fond, des maisons détruites. Donc, il faut toujours reconstruire, réécrire. Voilà. Oui. Bon, par exemple. L'île de Ré, c'est incroyablement
vivant pour moi, puisque c'est là où j'ai choisi. J'aurais dû te donner la photo de ma tombe qui est prête au cimetière d'Arsanré, que j'ai choisi parce que j'en ai le droit patrimonial et dans le carré des aviateurs anglais ou néo-zélandais qui sont venus là s'écraser pour la défense des libertés. Donc, c'est merveilleux de faire ça, c'est romanesque. Oui, c'est très romanesque. Et en effet, il y a leur nom. Ils ont 20 ans, 22 ans. Ouais, c'est ça. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Ils sont enterrés là. Les Britanniques font leur travail, c'est très bien aménagé. Donc je suis très bien là. Et j'ai fait sculpter sur une pierre verticale une rose. Dans du cristal ? Dans du verre ? Non, c'est dans la pierre. Dans la pierre, oui. Dans la pierre. Ça doit être très très beau. Dans la pierre, elle est rose. Les roses, voilà, celle-là. Et ça, c'est une... Je vais finir avec lui parce que ça convient. C'est vraiment une allusion très très nette à la fameuse phrase de Hegel qui a tout compris, d'après moi. La rose de la raison dans la croix du présent. Ah oui, c'est très beau. Ce qui me va, parce que c'est un grade élevé en ésotérique, c'est les roses croix. La rose de la raison dans la croix du présent. Si on a compris ça, on est exactement au cœur du problème. Voilà, portraits et portraits. Ben merci beaucoup, Philippe.